Eh bien, bonjour à toi qui regarde la vidéo. Installe-toi bien. On va commencer l'épisode 3 de Life is Strange 2 après avoir fui Beaver Creek. On va avoir un petit résumé pour te rafraîchir un peu la mémoire. C'est parti! Ça charge un peu. On avait été chez nos grands-parents et on avait dû fuir car la police avait fini par nous retrouver chez eux. Once upon a time, in a wild, wild world, there were two wolf brothers living in their home lair with their papa wolf. They all lived happily together, but one day, hunters took their dad away. Forever. So now the brothers were alone. And they had to find a new home. That's when the big brother discovered that the little one was not an ordinary wolf, but a super wolf. And then they worked together to learn how to use his power and to follow the rules for them. They discovered a secret hideout where they could train day and night. They were happy. But the little wolf got very sick. So they had to move on. On the way, a deadly predator attacked them. But they scared it away. They decided to journey to the home of their nearby ancestors to seek help. Finally, the tired and hungry brothers made it to the home of their ancestors. The old wolves invited them to stay. They even took care of them. They were happy to have a safe, warm place to rest. The little wolf even made friends with a raccoon, and together, Oui, ici le raton laveur, awesome c'était Chris. adventures. Unfortunately, Captain the hunters were Spirit. hot on their trail and found them. But the old wolves helped the brothers escape. The brothers had nowhere to stay again, so they decided to keep going south, to the distant homeland of their Papa Wolf. Et voilà pour le résumé. C'était un chouette épisode, l'épisode 2. Un petit épisode où on est bien installé, on est confortable chez nos grands-parents et tout. Et puis voilà, on arrive dans le 3 où on a dû fuir. On est dans notre chambre.
Et Daniel arrive discrètement. No way, you little shit. Daniel, get your ass over here now. Ramène tes fesses. Alors, on est 3 mois avant l'incident. C'est bien ça, on n'est pas retourné dans notre maison. Hein. J'ai toujours la caméra qui tombe. Alors, billet de concert. Shit. Flûte, j'ai trop hâte d'aller à ce concert avec tout le monde. Il va à un concert. Bon. Je crois pas qu'il y ait un écusson. Au skatepark la semaine dernière. Est-ce qu'on l'a cousu sur le sac? Je ne sais plus. Lettre de motivation, et c'est parce que il va. Son ordinateur, tiens. How did I get Lila to Alors, embarquer là-dedans. Qui vient piquer une tête dans le réservoir demain? Pas moi, j'ai des devoirs. Ce sont des bêtises. Il vient, attaque à sauter. Hein. Une autre fois, tu peux pas t'échapper, c'est ton anif. Répond hôtel. T'es coincé. Et là, c'est une photo de lui. Swipe left. Voilà. Alors. On est 3-4 mois avant, donc il fait beau dehors. Allez, on va essayer d'attraper notre frère qui nous a piqué quelque chose dans nos affaires. Fouiller. C'est notre maison. Est-ce qu'il y a quelque chose? Manette Playbox. Alors, ticket baleine, s'en fiche. Porte. Oh, on pourrait aller fouiller chez le papa. Wow, hold on. Ah ben il est là. Stop it. Dude, I told you to stay out of my room. Hop là. Oh, il se dispute. T'avais qu'à pas rentrer dans ma chambre. Non, non. On va pas frapper, quoi. Hop là, bim! Watch out, man. You started it, dickhead. Bah, attention! What is this crap? Are you fighting? Et le papa. You're proud of yourself? Stop it! Enough! Getting tired of this. Sean, what happened? Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé? Now. Il m'écoute jamais. I told him not to come into my room. He never listens. He hit me and broke the trophy. He's lying. He always does that when he gets busted. Little shit. Enough. Oh là là, il l'a insulté tout. C'est la grosse bagarre. Okay? This is my house too, not your playground. You hear me? Jeez. You guys are working my last nerve this week. You okay, mijo? I'm going to talk with your brother. You know the drill. Bedroom and no game. Dans ta chambre, pas de jeu. I didn't do anything. Uh-huh. Let's talk. Et on est innocent aussi, hein. C'est vrai ça. C'est le petit frère qui est venu nous embêter. On va bouder dans notre lit. Really taught that book a lesson. You done? C'est bon. Allez. Tu ne croiras jamais. Daniel, il a toujours raison. Le petit frère. Look. Ouh, le genre de situation qu'on connaît bien. I can't do this on my own. I can't. Alors, I need you to help me. J'ai besoin de toi. I know you don't want to babysit Daniel. You grow up, you need space, more freedom. I get it. But we're a trio now, and you gotta take some responsibility. Notre petit papito. Little shit. Just a kid. You're almost an adult. Il pourrait gâter. Non. Bon, allez, je sais. Je sais. And I do look out for him. Je suis presque un adulte. Je suis plus un enfant. Il faut que je grandisse, que je sois responsable. Je sais. And you had
8 years of being spoiled before you had to share toys with your little brother. I know it might sound cheesy, but we have to be good role models for him. He's a Diaz, right? J'ai pas envie de le surveiller, bon, j'ai compris. Okay, I hear you. I'll try to be super bro. Un super frère. Just try to be there for him, like you are now. Says mi hijo. I'm late for work. Go talk to your brother. Ah, papito, tu nous manques. We'll go to the movies tonight if you guys don't wreck the house. Oh, cinéma. I know you love to hear. Il va au cinéma. Chouette. But I'm proud of you. Both of you. Oh, papito. Okay. Get back to work. Ciao, papito. Bon, on va aller faire la paix avec notre frérot. Mais pas cool le frérot, hein, le petit frère, il vient tout le temps. Casser rien d'autre. Ça sauvegarde. Alors, en fait, ici, faire la paix avec Daniel, ah, c'est rigolo. Voilà. Papa me l'a donné l'an dernier quand on est parti camper tous les deux. C'était trop cool de passer un moment seul avec lui. Le fameux briquet de Puerto Lobos. Qu'est-ce qu'il a ici? Elri ne lâche pas pour que je le lise. Mais les vacances d'été, c'est pas fait pour lire. Si? Une clé USB, bon. Tu... Et un dessin. Jolie façon de sauver tes chefs-d'œuvre Picasso. Il me faut un nouveau carnet. Il n'a pas encore son carnet à ce moment-là. Ok. Allez, on va faire la paix avec notre frère. Non. Ah. Mais ouvre la porte. Voilà. Pas compliqué. Allez. Can I come in? It's the big bad brother. C'est le grand méchant frère. I said no. Get out. Whatever. I'm not listening. Oh, il boude aussi. Et c'est toi qui as commencé, hein. Ouh, il y en a. Mauvaise note. Oh, il a des mauvaises notes. Test de multiplication. Daniel was a total rage ball. Ah oui. Lettre de Layla. My brother's a little. Oh, merci beaucoup. Livre pour enfants, des blocs de construction, une peluche. Qu'est-ce qu'on peut faire? Persuadir avec la peluche. Ouh. Je l'avais ramené cette sortie scolaire à Vancouver. I mean, who does enfin. That, other than a super cool big brother. Allez, tu boudes encore. He's right, Daniel. Il a raison, Daniel. Totally tu devrais carrément lui pardonner. See? I'm not saying it. Bobby does. Leave me alone. Ça marche pas tellement. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un cadeau and ici? Don't touch my stuff. Gift from Lila. Dan, un cadeau de Lila. Oh, Lila. Qu'est-ce qu'elle était cool. Robot. Allez. Avec robot? Flûte, ça faisait longtemps que je t'avais pas vu, toi. Papa m'a obligé à te donner ça. Tu voulais toujours mes jouets. Ça marche encore, au moins? Plus maintenant qu'il est à toi. Poor robot. Pauvre robot. Il n'y a pas de pile. Andouille. Oh. Allez. La fusée. Le vaisseau spatial. Allez. Hey, that's cool. C'est cool ça, le vaisseau spatial. Whoa. No problem. Ok, on ne touche pas. Ok, if I sit down. Allez. Ah bah voilà, tu vois. Alors. So,
When did you get this? Quand est-ce que t'as eu ça? Last month. Le mois dernier. Dad said I should learn to do stuff by myself since you're not around as much. Hey, come on. It's not like I'm leaving home. You might as ouais, c'est vrai qu'il est de moins en moins présent, hein, notre ami Sean, puisqu'il grandit, il sort, il joue avec ses copains. We don't do anything. Ils font que rien ensemble. Ouais, voilà. I want to hang out with my friends sometimes. You're gonna be doing the same thing in a couple of years. Hi. I don't want to grow up. It's boring. Il veut pas grandir. C'est nul de grandir. Ah bon. Il avait pris une montre. Here. Sorry I took it. That's what you wanted? That stupid watch? You said you'd get me one at the thrift store last week, but you forgot. Ouais, on a oublié. Well, you better keep this watch then. Wow! Thanks, Sean! This is so cool! C'est trop cool! Et il a notre montre. Je la garderai pour toujours. Voilà, voilà. Est-ce que, depuis le début du jeu, il a cette montre au poignet? Retourne un peu dans les vidéos d'avant pour voir s'il a la montre de Sean au poignet. Tu vas voir. Petit détail. Oh! On retourne au présent. Et il n'a pas sa montre. Alors, où est-ce qu'on est? On est dans une espèce de tente, un peu sale. Il fait plutôt beau. On a dormi en t-shirt. D'accord. Quand on avait quitté Sean et Daniel, on était au mois de décembre. C'était Noël. Mais il fait beau. Le temps a passé, probablement. Oh. Oh. On a un chien qui nous lèche les pieds. Et tu dors avec tes chaussettes, toi. Oula, les cheveux ont poussé. On est un peu cracra. Bon, on va regarder dans le carnet hein, ce qui s'est passé. Voilà, on se réveille. On est dans une tente. Alors. Ah, la cape de Captain Spirit. Chris lui manque, ouais. Un copain de son âge. Cadeau. Man. Ah, j'ai l'impression que Beaver Creek est déjà tellement loin. Ah ben voilà. Alors. Ça, c'est le sac de Daniel. Ok. Alors, les dessins. Page 52 sur 73. Alors, voilà Captain Spirit. Ça, c'est les grands-parents. La route. 12 décembre, il n'y a plus de neige. C'est l'heure de descendre. Bienvenue en Californie. Ils arrivent en Californie. De nouveau à la rue, c'est pas juste pour Daniel. Je déteste ça. Donc, ils ont dormi dans la rue en décembre. Petit loup. Alors... 17 décembre, on est enfin arrivé en Californie du Nord, on a sauté du train, on a trouvé une petite ville, on a dû faire les poubelles pour manger. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai cherché du boulot, j'ai rencontré un gars chelou qui m'a dit qu'on pouvait travailler dans une ferme. Je sais pourquoi, mais on n'a pas le choix, au moins on a trouvé un abri. Alors, les gens de la ferme sont cool, ils posent pas de questions. C'est pas ce genre de taf qui va nous amener à Puerto Lobos. L'endroit plaît à Daniel. Heureusement que je peux aller y bosser seul. Ça fait bizarre de pas être avec lui H24. Travaux de jardin, nettoyage, etc. Voilà. Tout ce qu'il peut gagner. Alors, ensuite, c'est fou le nombre d'avis de disparition que j'ai vu ici. Qu'est-ce qui va pas dans ce coin ? Disparition d'adultes, si vous voyez cette personne. Beaucoup de gens disparus. Kim a disparu et un monsieur barbu, on ne sait pas. Alors, des burgers pour Noël. Premier Noël sans papa.
Bon, il mange comme un petit cochon. Chef-d'œuvre de Daniel, que suis-je devenu? Ensuite, ça s'accumule, dollars. J'installe des grillages, je clôt des trucs, c'est pas mal, mais c'est embêtant. Bonne année, tout le monde fait de la teuf. Voilà. On est en janvier 2017. Faut que je m'entraîne plus, ça me manque de la peinture, c'est vraiment cool, blabla. Flûte, qu'est-ce que je m'ennuie? Restez poli, hein. Je me suis fait dégager du ranch. Bon. Daniel voulait voir la mer, on est allé au stop à Arcata, on est des pros maintenant, facile, enfin, si, je suis content qu'on ait pu faire ça gratos, je me sens toujours mieux quand je vois de l'eau. Daniel s'est amusé, plein de danse, etc. Est-ce que les yeux rouges, c'est comme ça des mini-saucisses? Janvier. Alors, on est tombé sur les clodos du marché de Noël. Ah oui! Rappelez-vous, c'était Cassidy et l'autre, ils bossent sur une plantation illégale. Bonne paye, nous ont invités, bonne année. Voilà. Alors, Cassidy, elle est tellement cool. Elle chante comme une pro, des blagues à s'étrangler de rire. Ouais, d'accord. Daniel l'aime pas trop. Ah, tout le monde l'aime bien, lui par contre. On peut pas passer sa vie à ricaner et à se marrer. Ok. Ça, c'est l'autre, Finn. Ok, donc l'autre gars qu'on avait rencontré au marché de Noël, c'était Finn. Est-ce que c'est le chef du groupe? Mais j'aime traîner avec lui, le coucher de soleil superbe, on l'a regardé en silence en fumant, etc. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dessiné avec Anna et Penny. Non, dessiné Anna et Penny. Ok. Penny a des théories sur tout, etc. Alors, ça c'est... Alors, des nouveaux qui viennent d'Europe. Ok, une longue conversation avec Jacob, on dirait un gamin. Il a vécu dans une espèce de communauté religieuse à Haven Point, dans le Nevada. D'accord. Ça doit être Meryl, le proprio, Big Joe, le gros bras. Ok. J'ai bu quelques bières, blablabla. Toutes les soirées, c'est pareil. Ah, voilà, c'est fini, on est arrivé, on est en février 2013, 2017, pardon. Ok, ça c'est la route qu'on a faite, pas mal, pas mal, pas mal. Et là, ce sont les souvenirs. Alors, il nous faut un souvenir avec un chien qui gratte le sol au niveau d'un arbre. Il nous faut un souvenir avec une paire de ciseaux et une salade, on dirait. Un couteau. Il nous faut un souvenir ici. On dirait qu'on est au bord de l'eau. Un drapeau avec une canette et une voiture. Bien. Ok. Alors. Bon, c'est un épisode où je vais devoir pas mal censurer. Yep. I'm a real man. Puisqu'on fait des choses illégales pour gagner de l'argent. J'ai pas vu. Purache, 1421 $. Mais ils sont riches. Ils sont méga riches. L'illégalité, ça paye, dis donc. L'enveloppe, c'est quoi ça? Ah oui, voilà. C'est les sous. Bon. À la guerre comme à la guerre, hein. Karen. La lettre de la maman, là. Ouais. Il la lit, il la relit. I told him not to count on her. He won't listen. Est-ce qu'on va rencontrer Karen? La montre. On dirait qu'il n'en a plus rien à faire maintenant de cette montre. Ok. Bon, on va sortir. On s'habille, et donc on est dans une espèce de camp, avec des copains, enfin des copains, un groupe de personnes, avec qui on se lie d'amitié petit à petit. Hey, Bedhead. Had a good sleep? Oh, hi,
Yeah, I did. Thanks. Nice. Okay. I better hit the shower before they use all the water. Right. See you around. Alors, on est en Californie 2 mois après Beaver Creek. Donc, oui, février, quoi. Aisha, février, il fait quand même encore frais. Hein. Mais bon, on est en Californie. Bien, alors, voilà. On est en forêt. Alors, on va faire un petit tour. No more fog. Ça, c'est la tente de Finn. Celui avec les cheveux examinés, on peut fouiller dedans. Ok, des livres. C'est de la photo de famille. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Un seau. Alors, détritus, c'est beau ça! Alors, Cassidy, c'est la chanteuse, Cassidy. That girl is even more of a sleepyhead than I. Elle dort encore. On va pas la réveiller. Séquoia géant, ah ben voilà notre arbre. I do love these trees. Ancient and majestic. Alors, il y a une histoire de chien pour le souvenir. Bûche. Ah ben, le chien là, on dirait une bûche. Qu'est-ce qu'il y a, bûche? S'asseoir et dessiner. Ben allons-y. Oh, et le petit chien, il se met devant nous. Comment il s'appelle, okay. Ce chien? Got it. Je ne sais même pas comment il s'appelle, le chien. Attends. La tête du chien. I've looked voilà. In là. Time to draw now. Cool. I think I'm ready to draw this. Ah, les cheveux ont poussé et tout, c'est drôle. Il est un peu décoiffé, ça fait vraiment pretty good. Hippie. But I can add more details if I want. Time to take the pen, dude. Mais c'est sympa de faire du camping. Moi, c'est des chouettes souvenirs. Ce sont des chouettes souvenirs de camping. Dans la nature. Ok. Sans téléphone, sans ordinateur. Libre. I need to train my visual memory. C'est très gai. I've looked enough. Time to draw now. Allez, c'est bon. On a fini. Merci les chiens. Comment il s'appelle déjà? Le chien. J'ai oublié. Théo, il est là. Oh oui, on va te caresser. Yeah. Like you don't get pet enough around here. Comme si on te caressait pas assez. Et il y a plein de cicatrices de toutou. Did you see all that fog earlier? Creeps me out. I don't know what's inside. Il y a un petit bug. Je peux bouger, merci. Alors, ce souvenir, on va suivre notre ami le chien. We're so lucky these guys took us in. C'est vrai que on a eu de la chance qu'ils nous aient pris dans le groupe. Ah, voilà, voilà, voilà. Alors, petit chien. Tu vas où? Je vais le suivre. C'est là? Caresser encore. Voilà. Et le chien va repartir. On va continuer de le suivre. These trees are just so gorgeous. Après, on ira voir les autres.
Il gratte. Voilà. Il nous a mené ici où nous avons notre petit souvenir. Un drôle de petit quelque chose. Voilà. Et il est là. Non, on va pas mettre un crâne en porte-clés, ça va pas ou quoi? Bon, alors, ici, tante de Jacob. Et Jacob est juste là. On va lui parler. What's up, Jake? Hey, Sean. Code 9. Not much. What do you got going on there? Qu'est-ce qu'il fait, Jacob? This is a birthday card for my little sister. Ah, une carte d'anniversaire. Quel âge a-t-elle? Aw, that's cute. How old is she? She's 9 years old now. 9 ans. Ah ben c'est le même âge que Daniel. Like Daniel. Oui, ça, comme Daniel. Ah, donc ils ont un point commun, ils ont un petit frère, une petite sœur du même. Kind of jealous you get to hang out with your brother all the time. Ah, il est jaloux. I bet it's hard to be his brother and father figure. Ça me manque d'être seul. Ah, c'est mon boulot, hein, mon job. Full-time Daniel Rang. Dresseur de Daniel à printemps. Hey, since you're such a pro, c'est big ça le rôle du grand frère. Goodbye sounds a au revoir, ça fait lame, un peu naze. Cœur et licorne, je pense à toi. Oui, qu'est-ce well, qu'elle aime? What is she into? Like anime or video games? Des jeux vidéo, des animés. Puppies? Des shows. She has a pet chicken named elle a un poulet Alexander. Qui s'appelle Alexander. Sarah loves that thing, but Sarah l'adore. Creeps me out. Why not draw a creepy portrait of Alexander? Good idea. It'll match my bonne idée, ça irait bien. Chicken scratch perfectly. Avec mon écriture de cochon. Voilà. Anyway, thanks for your help. On va dessiner le poulet. I gotta finish this before I get ready for work. Don't want to be late. Sur la carte d'anniversaire. Joe will eat me for lunch. You and me both. See you later, Jake. Allez, à plus, Jake. Jake, Sean, Jacob. Thanks again. Ah, récupérateur d'eau, pas mal, regarde, à la débrouille quand il pleut, petite tente, et puis ça tombe dans les bidons. Voilà comment on récupère de l'eau de pluie. Must alors, tante d'Ingrid. Tante d'Anna, Penny. Il y en a du monde, hein. Notre tante, ben voilà, j'ai fait le tour. Cassidy et le petit déj, c'est ici. Coffee time, Sean. Panneau des tâches. Chacun son rôle. Alors, bidon d'eau ce soir. Nettoyez l'eau, vaisselle, course, remplir, faites votre part. Ok. Allez, on va boire notre petit café du matin. What? You hear that? I heard nothing, Penny. Maybe it was the coffee brewing. Never mind. You can't hear? Only me. I don't understand. Alors ça, il s'agit de qui et de qui? I miss all those insects. How the fuck? The swarm is coming. Mais ça, il y a un petit écureuil sur le toit. Wait. Les flics? Do you mean cops? La police? Like, coming to bust us? Sean, the motherfuckers is gonna shut down all the farms. Ton vocabulaire, s'il te plaît, pas de gros mots. Big boss can pay them off. It ain't gonna happen. That would be shit for me and Anders to lose the job. The cash is good for us to travel. Pareil. Same here. Plus, this was a steady gig. Don't want to hit the road yet. Daniel won't either. Don't puss out at the narc show. Merrill takes care of his peeps. Yeah, he's a major dick. But fair, he always puts us to work every season. Some of us need this shit job. Not the tourists here. Cush get. But not when they legalize that shit. Then you can work legal on the farm, right? Not if the government steps in. Then the pigs, the pill pushers, all bad. Bon, je sais pas, les criminels seront grillés. That just means Merrill and all these Green Rush thugs are toast. I hear ya.
Did anybody see Daniel? I haven't seen him this morning. I saw him walking with Finn. They were headed to the lake. Thanks, Ingrid. I better see what he's up to. Tell him no smoke. Ouais, on va aller voir ce qu'il fait. That lake is toxic, man. Nasty. C'est mauvais, oui. Il a un peu de... Bon, il s'appelle comment? On n'a pas les noms. I keep thinking you're Dutch. On va refaire du café, je crois. Voilà. Where from again? Welcome to Café Diaz. Sweden. Café Diaz. Try my special morning brew. Nice. I like that gourmet shit. Flocon, d'avoine. Most of them are into fancy hippie food. La nourriture un peu. And fast food junk. Fast food, etc. That shit was worth it. Voilà de quoi faire de l'électricité ici. C'est sympa. On a même l'électricité. Bon. Rejoindre Daniel et Finn au lac. Donc Daniel et Finn sont ensemble au lac. Et je n'ai pas vu où était le panneau pour se rendre au lac. C'est très bien. Ah voilà. Il est là. Panneau, lac. We went swimming there a couple of times. Fucking cold. But fucking awesome. Ouais. C'était très très froid. Allez, on y va. What the fuck, man? You're awesome. Come on, once again. Yes, I'm the man. Holy shit! That was dope! What's up, guys? Morning target practice? Six bullseyes in a row. Six fois dans le mille d'affilée. Kid is a fucking ninja! Hey, c'est un ninja. Didn't want to wake your sleepy ass up. On voulait pas faire Thank you for that. Oh, chez Daniel, ses cheveux ont bien poussé aussi. Hein. Seriously? Et il a mis le bandana de mushroom là, autour du cou. Alors, trop jeune pour les couteaux. Six fois dans le mille, sérieux. Trop jeune pour le couteau. Qu'est-ce que je t'ai dit pour le couteau? T'es trop jeune. On va faire le grand frère. Hey, wow. What's up with you two? Attends. I should have let you know, but I'm watching him like a hawk. Seriously. Allez. Much respect. He's like my own blood. And not that I'm as hot or cool as his big bro. Yo, Sean, idea. I want to see if Daniel inherited the family blade skills from you. Ah, on va essayer de lancer le couteau. It was my turn. Come on, let's bon. Give the man a on se doute bien comment Daniel arrive à mettre le couteau dans le mille, hein, rappelez-vous. Ses super pouvoirs, à mon avis, l'aident bien. Alors, je dois faire comment? Je fais comment? Appuyer sur LT comme ça. Oh, Sean, hold your right arm. Tends ton bras droit. More like this. Better alignment. Better aim. Won't really help. Dude, what's wrong? Allez, flûte, c'est quoi ton problème? Oh, laisse-moi tranquille. On va essayer de le mettre dans le mille, mais. Il faudrait que je comprenne. Alors. Comme ça. Bah vas-y. C'est comme ça. C'est comme ça. Ouais, c'est. Attends, c'est. Hop. Non, raté. On, sweetie, one more time. I know you can do it. Be zen, Sean. Reste zen. C'est le secret. Bon, allez. Ah oui, d'accord. Oh! Oh, méchant! C'est avec son pouvoir, il nous a lâché, quoi. Bon. Il nous a envoyé Valdinguer. Ouais. Qu'est-ce que je ferais sans lui, hein? Notre petit frère deviendrait rebelle, dites donc. Il me faut un café. T'en vas pas.
It's all good, Daniel. On s'entraînera plus tard. Il s'entend bien avec Finn, mais bon. Big brother. Love you, man. Si Daniel commence à devenir rebelle, ça t'amuse, t'as triché. Ça t'amuse. Toutes ces bêtises. Arrête de faire l'andouille. On reste poli, s'il vous plaît. Je suis pas débile. Il ne le saura jamais. Alors, on n'en sait rien. Est-ce qu'il l'a grillé ou pas? Il va se faire choper. Tu m'écoutes. Arrête de m'appeler comme ça. Je ne suis plus un gars. Daniel, don't. Stop, Daniel. Now. Qu'est-ce qu'il fait? Stop, Daniel. Hop là. Mais ça va pas la tête? Et oh. I'm sorry. I didn't mean to. I'm okay. It's fine. Il devient adolescent, le petit frère, il se rebelle. You're good. Doué, mais tu contrôles pas encore ton pouvoir, ça c'est clair. On s'est plus entraîné depuis qu'on est arrivé. C'est vrai. Tu préfères passer du temps avec les nouveaux francs, les nouveaux amis. Ouais, t'as raison. Do some training later today. Cool. Yeah. Let's go by the lake again. But, Sean, how long are we gonna stay here? Combien de temps on va encore rester là? It's been like a month. I know, but we need more money to get to Puerto Los. Remember? Il leur faut des sous. It's gonna take forever. Ça va prendre hyper longtemps. Try and find mom. Since we have her letter now. Ah, lui, il reste focalisé sur sa maman. T'es encore avec ça, toi? We've already had this conversation. Sorry, Daniel, but we can't. We don't even know where Karen really is, and we can't risk getting caught while looking for her. Lui, il est vraiment focalisé sur sa maman, et Sean, lui, il est focalisé pour Tolobos. One of the reasons we're out here. On va réussir à les garder ensemble. How come I never get to choose? Pourquoi c'est jamais lui qui décide? I'm the one with the power. C'est lui qui a le pouvoir. Et c'est moi l'adulte ici, d'accord? I'm the adult now, okay? Yeah, well, that sucks. C'est nul. Finn treats me like an adult. Finn me traite comme un adulte. He understands. Ouais, c'est pour ça qu'il s'entend avec Finn. Ah ah, il a plus de montre. Big Joe arrive. Alors, interrogé sur la montre, ne rien dire. On va le laisser tranquille, on va rien dire. Et on va rejoindre Big Joe. Allez, on y va. Go. Hey, ça enregistre. Daniel, remember what I said. Low profile. Faut rester discret, mon ami. Ok. Est-ce qu'on peut compter sur lui? Ça enregistre ou pas? Toujours pas. Could be way worse. Ouais, ça y est. We're making cash, you know. Ok, ok. Allez, c'est bon. On va aller travailler. Send Chris a present. Or something. Or... maybe just check on him. We will, Daniel. When we're safe. T'as pas envie de courir? And far away. I know. Non. I had fun playing hide and seek last night, especially. On a joué à cache-cache hier soir. Cool. That was cool. Thought Penny might hide forever. Yeah, but we said the trees were off limits. Cheater. Tricherie. Allez, on va se mettre en route et puis je vais arrêter la vidéo ici. La première vidéo de l'épisode 3. On va attendre le générique. Épisode 3. C'est long, hein? Ouh là là, faut marcher. T'as pas envie de courir, Chou? Oh là là. On t'attend, hein? Dépêche-toi. Je vais pas courir. Allez, go! Voilà Finn. I need a bodyguard. Tous les autres. Cool. Tell Sean to get me a knife.
Et oui, et Daniel est toujours avec Finn. Mind if I sit here? Et voilà Cassidy, la chanteuse, avec son look. Why so serious? Pourquoi tu fais cette tête? Nothing. Pour just rien. Thinking. Cool. I'm always worried about my city boy. Everyone here? Tout le monde est là. C'est pas un bus scolaire ici. Ça, c'est Big Joe qui conduit. Et c'est parti. Ouais, ça va pas être un épisode très agréable. Il va falloir pas mal censurer. Il y a beaucoup de grossièreté. De censurer parce que comme ils font un travail illégal, on fabrique de la drogue. Si c'est pas illégal, ça paye bien, mais bon. Voilà quoi, t'as pas des scrupules, non? Hein? Non, on n'écoute pas. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Ouais, ouais, si, si, on écoute. Ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Ouais, c'est dur. Il est jaloux. C'est un grand garçon. He's a big boy now. Better to get out of his way. Smart. Yeah, if you get too clingy, people run away. Ça fait aller, know what I'm talking about. Who's the knife master here? Did you lock the tent? Un couple là, ok. So. How do you feel? Who knew this little tree market snowflake would end up here? Un petit minet de marché belge. On se sent libre. I actually feel free. It's been a long time. Thanks to you. I hope so. Finn and me had a bet how long you would last. Okay. Please don't hurt me. I lost. Thanks. I'm glad you did. Can't get rid of me yet. Hey, I'm gonna shut the fuck up back there. I can't hear my music. Ah ben, il est cool, Big Joe. Merci. Guess what? He was on his secret Speaking Romanian. Il parlait en roumain. Oh no. Oh. Here it comes. C'est reparti. He's agent 420. Agent 420. And he has a license to cook. What's that? Told you 1,000 times, Big Joe is a clone. They come from a factory in Silicon Valley. C'est juste. Maybe he's just the factory reject. C'est le contrôle qualité. He's just a goon, guys. Bet he worked for some gang. Must have done something bad to end up here. Duh. Boring. Yeah, boring. Shit, you're all in love with Big Joe. You can't stop talking about him, I swear. But his ass is too big. Right on. Come on. Yep. He was kind of a mystery. Hey, watch down back there. Enjoy the scenery for a change, for fuck's sake. Et voilà. Faudra les excuser pour les grossièretés. Hein. Pénible. Voilà notre générique épisode 3 Westerland. Et on arrive. Yeah, me too. Let's try to go to bed early tonight, okay? Yes, please. And no weed. So fucking tired. Stop your bitching. Bim, il l'a frappé. Hey. Jeez. Ah, premier choix difficile, intervenir ou ne rien faire. Non non, c'est Big Joe, on va rien faire. Sir, yes sir. Come on, Sean. We're going to be late. Right. On va être en retard. C'est ça.
Il a une arme et tout, quoi. C'est cool. Et voilà Meryl. Listen up. I need two teams today. Deux équipes aujourd'hui. Penny. Anders. And what's your name will clean up the mess from the storm. The rest of you get to sit and trim. Girls gotta sit their asses while the males are outside? Yeah, right on. Like I wanna go pick up a bunch of shit all over the camp. Hey, you wanna trade places? Shut up, Daniel. Ils font les cools et tout. I get to go outside. C'est fou, quoi. You guys still don't get it. Il est toujours pas pigé, on dirait. Ouais, this is work, not a goddamn summer camp. C'est pas un jeu ici. You're not special. There are dozens of hippies like yourselves begging for work at the next town. Kid, your dad should teach you to shut your mouth. Finn, you better watch your guys. Of course, boss. No problem. Okay, so move it. Yeah, you heard the man. Stop fucking around and get in your teams, all right? Hold up. You and me are gonna talk. Remember, I'm only letting you and your brother work here because Finn put in a good word. Ah, c'est Finn qui s'est porté garant. We really appreciate it. Qui nous a présenté et tout. Ok. Just watch out. Surveille ton petit frère la prochaine fois. Dégagez. Ouf, d'accord. I'm not trying to bust your balls. You hear me? PG. Got it. I'll keep him out of the way. You better. This business has enough shit already. Right. I'm gonna go check on him then. How old is he anyway? Oh, 9. Il a 9 ans, monsieur. Years old. Jeez, tough age. Gotta keep a close eye on them. On va pas lui demander s'il a des enfants. Hein. C'est chaud ici. Not an easy thing to do out here. I know. Ain't no place for children. That's why I keep mine in New York. Isn't that hard? Of course it is. But it won't be forever. Okay, I'm not your buddy. Get the fuck out of here. You got a lot of work to do today. All right. Thank you. Merci. Bien. Voilà, ça sauvegarde. Très bien. On va en rester là pour ce long premier épisode où on a démarré l'épisode 3, donc. Où on est en forêt avec ce petit groupe de jeunes gens fort sympathiques. Où on a démarré un travail tout à fait illégal, on gagne de l'argent, mais c'est illégal. Donc, ça s'annonce, ça s'annonce compliqué, je vais devoir pas mal couper et censurer. Je réfléchis encore à comment faire tout ça pour garder... le fil rouge de l'histoire, mais voilà. Bien, si ça t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce, ça fait plaisir, ou un petit commentaire, voilà. On se retrouve demain pour la suite de l'épisode 3 de Life is Strange 2. Portez-vous bien, tout le monde, et à demain. Bisous, bye bye.